Excellence, Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Mesdames les Premières Dames d'Afrique, Excellence, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tous, pour vos grades et qualités, et à tout Seigneur, me tenant ici humblement devant vous pour servir de maître de cérémonie, je voudrais, au nom de la Commission de l'Union africaine et de sa présidente, Madame Kosazana Dlamini Zuma, vous accueillir très respectueusement à ce déjeuner de travail de haut niveau pour les chefs d'État et de gouvernement, placé sous le thème Non, j'ai été avec le bouton. Accélération de l'emploi des jeunes. Mesdames et messieurs, il s'agira d'un dialogue intergénérationnel organisé par la Commission de l'Union africaine avec la Fondation Ousegun Obasanjo. Et ce dialogue intergénérationnel mettra face à face la jeunesse africaine, ici représentée par une brochette de 20 jeunes. Leurs collègues sont à l'extérieur. Ils se sont réunis hier pendant toute la journée pour préparer le message qu'ils vont vous présenter sur eux. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de remercier les différents partenaires qui ont rendu possible la tenue de ce débat. Je voudrais citer parmi eux le FUMUA, la CEA, le Banque mondiale et le groupe de la BAN. Mesdames et Messieurs, après la déclaration de Ouagadougou et son plan d'action pour la promotion de l'emploi et la réduction de la pauvreté, la décision prise en janvier 2010 par votre conférence pour promouvoir le volontariat des jeunes, l'engagement des ministres du Travail et des Affaires sociales de la Commission africaine, puis en 2011 pour accélérer la réduction du chômage des jeunes de l'ordre de 2%, les recommandations du sommet de Malabo en 2011 sur l'accélération et l'autonomisation des jeunes, et bien d'autres en compte. Ce dialogue intergénérationnel sera essentiellement interactif et il répond à la réponse faite aux jeunes d'Afrique en mai 2013 d'organiser ce type de rencontre. Sans plus tarder, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais demander à Madame Kosazana Dlamini Zuma, en sa qualité de présidente de la Commission de l'Union africaine, mais aussi de maire et d'ancienne ministre en charge des questions de jeunes, qui croit en cette jeunesse africaine et dont le sort est au cœur de ses préoccupations, qu'il a encore entendu sa voix plaider en faveur des jeunes. Madame la Présidente, je voudrais vous inviter à prendre à votre place Madame la Présidente, qui a distribué pour son mot de bienvenue.